tu me dis quand on commence ? Oui ? J'avais une question, c'est ça. Alors, Monsieur Longuet, je suis en présence aujourd'hui de Monsieur Longuet, président du conseil de fondation du DOCIP que nous venons d'entendre. Donc un discours toujours très beau sur les peuples autochtones. Monsieur Longuet, merci d'être avec nous, avec l'Arménie occidentale aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, vous vous exprimez donc sur la télévision de l'Arménie occidentale. C'est à vous, la parole est à vous. Alors, le DOCIP est là pour soutenir de manière logistique, administrative, juridique, matérielle, les luttes des peuples autochtones pour recouvrir leurs droits, pour retrouver leurs droits, pour exister sur le plan international. Donc il y a un certain nombre d'avancées qui ont été obtenues juridiques dans un certain nombre de documents des Nations Unies. Après, il y a aussi une présence assurée pour montrer que ces peuples existent. Et le paradoxe, c'est que ce sont souvent les premiers habitants d'une terre et qui sont relégués aux confins de celle-ci, qui sont niés, qui sont détruits culturellement, économiquement, et voire très souvent dans l'histoire, qui ont été massacrés tout simplement, comme ça a été le cas du peuple arménien sur ses terres d'origine. Et là, nous sommes évidemment là pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous permettre de mieux vous faire connaître dans les instances internationales. Écoutez, vraiment, nous saluons le combat que nous menons ensemble, car c'est un combat qui est de longue haleine, puisqu'il est vrai qu'à l'aube du centenaire du traité de Sèvres, à l'aube de toutes ces reconnaissances que nous avons obtenues depuis le début, et bien maintenant, il s'agit effectivement d'affirmer les droits du peuple arménien d'Arménie occidentale, qui a que trop souffert durant toutes ces décennies, tout ce siècle de souffrance, d'appropriation illicite qui continue et qui perdure sur nos populations et sur notre territoire. Alors, merci encore à vous et de votre soutien. Merci. Vraiment, très sincèrement. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci. Et notre souhait, c'est que tous les peuples du monde puissent trouver un espace d'expression, puissent être reconnus, et que les États qui ne reconnaissent pas le droit culturel, le droit économique, le droit social d'une population donnée, puissent comprendre que cette oppression est absolument contre la loi morale et contre le respect de l'espèce humaine, qui est une espèce unie à travers ses diversités. Je vous remercie. Merci de votre soutien. Encore une fois, merci beaucoup.